Lights out, hearts beating faster in a minute. Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque à Paris, dans le Marais. Et je vais tout vous dire pourquoi. Donc c'est parti, let's go, allons-y. Que je vous explique. Alors, ça va faire un petit moment que j'avais envie de m'investir au sein d'une association. Et notamment une association gay LGBTQ+. Et donc, du coup, je me suis dit que pourquoi pas aller directement au centre LGBT de Paris pour justement être bénévole. Hein ? De femmes ouïghours qui sont généralement en bonne santé du fait de leur pratique, mais aussi des Ouïghours et des Tibétains. Certains experts estiment que depuis l'an 2000, plus d'un million de ces prélèvements forcés. Je crois qu'ils ont recyclé tous les sapins. Voilà, mais c'est bien parce que souvent ils sont à jeter à la poubelle. Mais oui! Parce que pour certains, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais en ce moment, je suis en arrêt maladie. Et donc du coup, comme ça ne va pas dans mon travail, je me pose encore beaucoup de questions par rapport à l'avenir, par rapport à vraiment ce que je veux faire, parce que ce n'est pas évident, à l'heure d'aujourd'hui, de trouver pourquoi on est fait et pour ce pourquoi on est fait. Peut-être à l'époque, on ne choisissait pas trop. Mais voilà, moi je sais que on n'a qu'une seule vie. On fait 2 minutes ou pas? Oui, vas-y, moi je te rejoins après. Tu peux l'enlever une fois à ta place. Je vais faire pipi. Ah oui, bah. On n'a qu'une seule vie. Et il faut être, franchement, il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire, voilà. Parce que c'est clair, il faut de la vérité, si ça tenait qu'à moi, je ferais tout le temps des vidéos, je serais créateur de vidéos, voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas possible, il faut un travail à côté. Mais donc du coup, dans cette attente de recherche, tout ça, je ne veux pas rester là sans rien faire. Et je me dis, pourquoi pas investir ce temps pour aider les gens, pour être au contact de personnes, pour les accompagner. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, allez, direction Paris, mon copain m'a accompagné. Donc franchement, super gentil. Et oui, parce que c'était pas obligé, tout ça. Et puis en plus, je lui ai prévenu un peu au dernier moment. Donc bon, voilà. J'ai bossé ici, moi. Mais c'est bon, voilà. Donc, on est allés ensemble et franchement, c'était super sympa. Le centre LGBT est super cool, vraiment. Ils sont bienveillants, ils sont chaleureux. Et je me suis sentie bien, on va dire, et bien accueillie aussi. Donc, il m'a donné un prospectus. Il m'a dit d'envoyer un mail à devenir bénévole, quelque chose comme ça, @centrelgbtparis.org, voilà, un truc comme ça. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait le mail avec mon copain. Et puis voilà, donc c'est bon, ça y est. Donc, j'attends leur réponse. J'espère que ça va fonctionner et que ça va marcher, tout simplement. On croise les doigts, donc
ce petit tour à Paris, ça a fait du bien. Ça a fait énormément de bien parce que ça faisait longtemps que j'étais plus allée dans Paris et surtout longtemps que j'étais plus allée dans le Marais. Bon, je crois qu'il y a Oreo qui veut venir sur la vidéo. Allez, viens. Voilà, dis bonjour, coucou. Non, toi, t'es pas venu avec nous. Non, c'est pour ça que t'as besoin d'amour, là. Et donc, du coup, ouais, ça faisait longtemps que j'étais plus allée dans le Marais. Mais franchement, c'était cool. Alors, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que le Marais, bah, c'est plus ce que c'était. C'est plus du tout ce que c'était. Voilà, comment vous dire? Bon, après, je suis allée en journée, ça c'est clair que c'est pas la même ambiance le soir. Mais pour moi, l'âme de ce quartier, en fait, commence à se perdre, notamment à cause des boutiques. Voilà, qui envahissent de partout, partout, partout. Par exemple, un petit truc, les mots à la bouche, ben, c'est plus là. C'est plus à l'endroit où voilà, je l'avais rencontré, où j'avais rencontré cette boutique, j'avais adoré. Ben non. Donc, je suis un peu déçue. Je vous ai fait quand même quelques petites images que je vais vous laisser voilà, avec. Et comme ça, au moins, vous allez voir. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Donc, voilà. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, surtout. Comment ? Ça peut faire mal quand c'est très gros. Ouais. C'est affiqué. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Lights out, hearts beating faster in a minute.